Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai volontairement mis la petite vidéo juste avant avec le paysage là que je perçois d'ici. C'est un paysage magnifique et donc je voulais vous le partager. Alors Seigneur, je te demande de bénir cette journée, Seigneur, de bénir la journée de toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, de les bénir eux et leurs familles. De leur apporter la paix dans leur cœur, la paix dans leur vie, et que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses leur transmettre ta parole et ce que tu souhaites vraiment leur transmettre. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est sur la voyance, les oracles et le channeling. Les médiums, etc. Tout ce qui est lié, en fait, hein, à la voyance. Donc, pourquoi donc la voyance, les oracles, etc. ne sont pas autorisés par Dieu? Bah, tout simplement, c'est pas autorisé par Dieu, car cela ne vient tout simplement pas de lui. Voilà pourquoi c'est pas autorisé. Donc, si ça ne vient pas de lui, ce n'est pas la vérité. Alors, pondre. De qui cela vient? Si cela ne vient pas de Dieu, de qui cela vient? Quand vous allez voir une voyante, quand vous allez voir une médium, de qui viennent les messages? Qui donc a pris autorité pour se faire passer pour Dieu? Qui mieux que lui connaît l'avenir? Par exemple, si je vais voir une voyante, à qui bien sûr j'accorde toute ma confiance, c'est pour ça que j'y vais, sinon j'irai pas. Et elle est sincère, hein, attention. Hein. Je ne dis pas que les voyants, les tarologues, etc. ne sont pas sincères. Ils sont là pour servir, hein, quelque part, hein, pour aider. Donc je vais voir une voyante. Et là, elle me dit, la voyante, qu'un proche va bientôt mourir. Déjà, ça me fait flipper. Déjà, j'ai peur. Et en plus de ça, sans le vouloir, c'est une malédiction qui est portée sur mon entourage. Il faut le savoir. C'est une malédiction qui a été portée sur mon entourage. C'est une voyante très connue sur les réseaux sociaux. Me dit que je viens de rencontrer ma flamme jumelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vraiment la personne, la moitié de vous-même. Voilà, la moitié de vous-même. Mais que dans ces cas-là, on doit quitter mari, femme, briser notre famille. Voilà, on doit complètement s'engager dans cette relation de flamme jumelle qui, bien souvent, n'aboutit pas du tout. C'est pas du tout... C'est pas la vérité en fait, parce que Dieu il a jamais dit qu'il fallait détruire un foyer, hein. Ça c'est le premier ministère, on doit pas détruire un foyer. Après il y a des exceptions, évidemment, si ce que vit le foyer c'est pire que le mal, c'est mauvais et tout ça, bon, c'est autre chose. Mais je veux dire, on n'est pas, pour Dieu on n'est pas censé briser un foyer ni un couple. Dieu, ce qu'il a uni, il l'a uni. Et donc, le concept âme sœur flamme jumelle, ce ne sont pas des concepts qui viennent de Dieu. Donc, ce n'est pas la vérité. C'est du mensonge. Je repose la question, de qui vient ce concept? Si, par exemple, par le channeling, donc le channeling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... je vais recevoir un message de Marie, par exemple. Mais qui est Marie, déjà? Est-ce que Marie a autorité pour nous donner des messages? Tout ce qui ne vient pas de Dieu ou de Jésus ne sont pas, en fait, autorisés, en fait. C'est pas autorisé. Et puis, n'importe qui ne reçoit pas des messages comme ça. Pour pouvoir recevoir un message de Dieu, il faut déjà, d'une, avoir reçu le baptême,
d'eau et d'esprit, ça c'est le minimum, et d'avoir une relation construite sur la durée avec le Père. Ça se fait pas comme ça, tiens, aujourd'hui, je vais canaliser Jésus. Hein, quand vous entendez ce genre de choses, je suis désolée de le dire, mais il faut le dire, c'est du mensonge, c'est faux. Alors la personne qui croit, qui canalise, elle est de toute bonne foi, je reconnais, elle est de toute bonne foi, oui, elle canalise vraiment Dieu, elle canalise Jésus et Marie et l'archange Michael. Mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas des prophètes de Dieu, ce n'est pas des prophètes. Hein. Le prophète, ça ne se passe pas comme ça. Je ferai une vidéo vraiment sur ce que c'est que le prophète. Mais voilà, tout le monde ne peut pas transmettre des messages comme ça à tout va. Aujourd'hui, c'est l'archange Michael. Et aujourd'hui, je vous pose la question, qui est l'archange Michael? Quand vous canalisez des entités comme Isis, Marie, etc., etc., parce qu'il y en a quand même pas mal, posez-vous la question, qui est-ce que je canalise? En toute bonne foi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le côté qui veut vous perdre, c'est un très bon imitateur, il peut vous faire ressentir des choses très très agréables, mais qui ne viennent pas de Dieu, je le répète. Donc attention, attention, attention. Voilà, pareil pour le channeling. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça éloigne les gens de Dieu, parce que du coup, on n'est plus dans notre relation personnelle avec Dieu, mais on va écouter la voix de d'autres qui ont reçu des messages. Donc, ce n'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu. Comme les histoires, par exemple, sur les fausses histoires, sur les E.T., sur les galactiques, et j'en passe, hein, les êtres de lumière, l'ascension et tout ça. Tout ça, je vais vous le dire, ça a été copié. Tout ça, ça vient de la Bible, en fait. Toutes ces histoires viennent de la Bible. Alors, je ne parle pas des E.T., hein, mais les êtres, l'ascension, etc., tout ça, en fait, ça a été pris, ça vient de la Bible. Ça a été transformé, mais transformé d'une manière qui vous éloigne de Dieu. Donc, c'est pas à suivre. C'est pas des modèles à suivre, c'est pas des modèles à écouter, c'est pas des modèles à transmettre. Si un berger égare un troupeau entier, croyez-vous que Dieu sera d'accord avec ça? La responsabilité du berger est de protéger et guider le troupeau vers de verts pâturages. Jérémie 23, verset 9. C'est important de prendre des versets de la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est l'héritage qui nous a transmis. Donc, la vérité est dedans. Certains, souvent, j'entends dire des gens, j'ai fait partie de ces gens-là, mais je ne connaissais pas la Bible à l'époque. Oui, mais l'humain, il a détourné la Bible, il a détourné... Alors, la Bible en elle-même, le message est bon, mais le message vient de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est l'interprétation qui en a été faite qui a détourné, hein, où la femme, elle a été mise, voilà, la femme c'est ci, la femme c'est ça, mais quand vous... Enfin, c'est des paraboles dans la Bible, donc quand vous connaissez, je ne prétends pas connaître parce que ce n'est pas du tout le cas, mais je découvre... Il y a plein de choses qui n'ont rien à voir avec la femme, hein. Non, la femme, c'est l'égal de l'homme et il n'y a pas de souci avec ça, hein. Dieu, il aime autant la femme que l'homme. Donc, pas besoin non plus de se morfondre. Ouais, mais ils ont dit ça sur les femmes, nanana, on est persécutés, on est ci, on est ça. Non, c'est faux. C'est juste des paraboles. Il faut savoir en mettre les choses dans leur contexte. Je vous confie tous ses enfants et que ses enfants sont perdus. Non. Comment croyez-vous que le père réagira? Donc, Jérémie 23, verset 16. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Là, quand on parle des prophètes qu'il y a actuellement, hein. C'est tout ce qui est les messages galactiques, channeling, etc. Je ne m'en prends pas à vous, je préviens seulement. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous font leurs prédictions. Ils vous entraînent dans l'illusion, ils transmettent les visions de leur invention et non de ce qui vient de la bouche de Dieu, de l'Éternel. Ça c'est Jérémie, c'était un prophète.
Il répète à ceux qui me méprisent. Donc, ça, c'est Dieu hein, qui s'adresse. Hein. Il répète à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix à tous ceux qui persévèrent dans les penchants de leur cœur. Et ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment la manière dont se prend, dont s'y prend le malin pour vous détourner de la vérité. Persévérez dans les penchants de votre cœur. Allez-y, faites ce que vous voulez. Allez-y, soyez libre. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est en Christ. Sans Christ, on n'a pas de liberté. C'est de la fausse liberté. Donc, il ne vous arrivera aucun mal. Ça, c'est ce que disent les prophètes. Dieu demande. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel, de sorte qu'il aurait vu et entendu sa parole? Qui s'est montré attentif à sa parole et l'a entendu? Jérémie 23, verset 21. Tu veux bien aller là-bas, s'il te plaît, mon chéri? Ok, allez bien. Mon petit garçon, il est avec son âne. Je vais vous le montrer parce que, franchement, c'est un petit bébé âne, il est trop mignon. Regarde. Hey! Hé, hey, tu nous montres comme t'es beau. Tu nous montres comme t'es beau. Mais ok. On se calme. Parenthèse récréative. Alors, j'en étais à... Jérémie 23, verset 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes. Pourtant, ils se sont précipités. Je ne leur ai pas parlé. Pourtant, ils ont prophétisé. Ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu transmettre mes paroles à mon peuple, le faire renoncer à sa mauvaise conduite, à la méchanceté de ses agissements. En Jérémie, verset 3, chapitre 23, verset 30. Voilà pourquoi j'en veux aux prophètes, qui se volent mutuellement mes paroles. Déclare l'Éternel. J'en veux aux prophètes qui remuent la langue pour imiter une déclaration solennelle de ma part. Déclare l'Éternel. J'en veux à ceux qui prophétisent à partir de rêves pleins de fausseté. Déclare l'Éternel. Ils les répètent et ils égarent mon peuple par leurs mensonges et par leurs vantardises. Je ne leur ai pas envoyé et je ne leur ai pas donné d'ordre. Ils ne sont vraiment d'aucune utilité à ce peuple, déclare l'Éternel. Quand j'ouvre ma porte aux voyants, aux médiums, aux tarots, alors je ferme la porte à la voix de Dieu. Je ferme carrément la porte à Dieu. Si je ferme la porte à Dieu, alors je vous pose la question, à qui est-ce que vous l'ouvrez? Si Dieu n'est pas le guide dans votre vie, alors... qui est le guide? Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Attends, méditez là-dessus. Que faire pour plaire à Dieu? Que faire pour, si on se rend compte qu'on a des, on s'est planté en fait, mais ça c'est, on est humain, hein, c'est pas grave, hein, je veux dire, on a le droit à l'erreur. Hein. Nos soucis, il y a le droit à l'erreur. Par contre, qu'est-ce que je vais faire si je me rends compte qu'effectivement je me suis plantée et s'il est possible que j'ai égaré les enfants de Dieu et s'il est possible que je les ai éloignés de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, ce qu'on appelle la repentance, c'est tout d'abord demander pardon. Pardon à Dieu. Donc, on demande pardon. Puis, au mieux, on prévient les brebis qu'on a égarées. Je me suis trompée. Je vous ai envoyé sur un mauvais chemin. Je vous ai égaré. Revenez à la voie de Dieu. C'est pas grave de dire qu'on s'est trompé. Moi, je me suis trompée. Tout le monde s'est trompé. Tout le monde se trompe. C'est pas grave. On reconnaît et puis voilà. Et au mieux, voilà, je reconnais que mes paroles ne venaient pas de Dieu et que je me suis trompée. Voilà. Dieu vous pardonnera et il pourra se servir puissamment de vous pour son service à lui. Voilà.
Donc c'est important que je revienne, que je parle encore du baptême, parce que ça je pense que je vais en parler à chaque fois. Le baptême, c'est important quand on veut retourner à Dieu, de passer par le baptême, puisque le baptême est un engagement que l'on fait soi-même avec Dieu, d'accord ? Jésus, il a été baptisé à 30 ans. Bon, je dis pas qu'il faut attendre 30 ans, c'est pas ça que je suis en train de dire. Jésus et Nicodème. Jésus parle de la nouvelle naissance à Nicodème, qui était un pharisien. Les pharisiens, c'était les hommes qui connaissaient la parole, en fait, les Écritures. Mais qui étaient quand même très orgueilleux, hein, pour la plupart, en fait. Hein. C'est pour ça que Jésus est revenu, pour mettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Mais ils n'ont pas aimé, hein. Ils n'ont pas aimé les pharisiens. Alors, il y avait quand même parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, hein, le chef des Juifs, qui était quand même sincère. Et donc, il voulait rencontrer Jésus parce que, malgré tout, il disait, ben, comment un homme comme ça peut faire des miracles si ça ne vient pas de Dieu? Je veux le rencontrer, tu vois, il était attiré. Seulement, il fallait qu'il aille le rencontrer en cachette parce que c'était pas... les pharisiens n'étaient pas d'accord, en fait. Donc, il l'a rencontré, Jésus, de nuit. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vient de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Alors, je précise, je fais une petite parenthèse là, c'est que tout ce que Jésus est venu faire il y a 2000 ans, c'était pas pour dire, hey, regardez, vous avez vu moi ce que je peux faire et tout, vous avez vu? Enfin, non, quel intérêt de faire ça? Il est venu juste pour nous montrer ce qu'on était tous capables de faire, et tout ce qu'on est amené à faire, tout ce qu'on est même. À la base, tout ce qu'on est et ce qu'on est amené à devenir, à guérir au nom de Jésus, à chasser les démons au nom de Jésus. Alors, une petite parenthèse, mais je ferai une vidéo là-dessus aussi. C'est quoi les démons? Et ben, en fait, c'est dans le monde spirituel, on les voit pas, mais ça peut se manifester de façon très très simple. Celui qui va te chuchoter des trucs à l'oreille, tu sais, qui va te chuchoter de quitter ton mari par exemple. Non, mais quitte-le. Ça vient pas de toi et ça vient pas de Dieu, ces pensées-là. Mais sache une chose, c'est que quand tu consultes les voyants ou quand tu consultes les oracles ou quand toi-même tu te fais les cartes, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu, quand il te dit faut pas faire ci, faut pas faire ça, c'est pas pour t'embêter, c'est pour te dire... Tu es dans un monde que tu ne connais pas, mon enfant, fais attention. Quand tu vas jouer avec les oracles, tu vas ouvrir une porte. Et cette porte, ce n'est pas moi qui suis derrière. Alors, qui est derrière? Donc, à partir du moment où j'ouvre une porte dans laquelle, dans la parole, Dieu m'a dit de ne pas ouvrir cette porte, c'est qu'il y a une raison. Si Dieu il a dit à Adam et Ève, ne croquez pas le fruit, c'est qu'il y avait une raison, c'est pas pour embêter le monde, c'est qu'il y a une raison. Donc s'il ne faut pas le faire, c'est parce que tu vas ouvrir une porte et derrière cette porte, ben, il y aura ce qu'on appelle les démons. Et les démons, ils vont influencer ta vie, ils vont influencer ton caractère, ils vont te mettre mal. Enfin, c'est pas quelque chose, si tu veux, que tu vas même pas t'en douter en fait que ça ne vient pas de ça. Mais tout ça ne vient pas de Dieu. À partir du moment où il y a un mal-être profond, qui a des angoisses, qui a des peurs, qui a des pensées négatives sur toi-même, sur les autres, ça ne vient pas de Dieu. Donc ce sont des attaques démoniaques, bien souvent. Et donc Jésus chassait les démons. Donc on est tous amenés à le faire. Et toi aussi, au nom de Jésus. Amen. Je reviens à mes moutons. Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. »
ce qui est né de parents humains est humain. Donc nous, on est des humains, on est né de parents humains, on est né humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc pour pouvoir naître d'esprit, il faut recevoir un baptême. Le baptême d'eau et d'esprit. Le baptême d'eau, c'est quand tu es immergé totalement, ton corps est entièrement immergé dans l'eau. Mais c'est la parole qui le dit. Donc j'en ferai bien sûr une vidéo plus détaillée sur le baptême, mais le baptême va faire que tu vas mourir. Si tu veux, c'est comme si tu meurs en Christ. Donc tout ton ancien moi meurt. Voilà. Tout ton ancien moi meurt et renaît une nouvelle créature. Tu renais, t'es une nouvelle créature en Christ. Donc ça c'est fabuleux parce que tu as pu apporter tout le poids que tu portais avant. La culpabilité, les peurs de ci, les peurs de ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout ça c'est payé. C'est payé, oui. C'est pour ça que Jésus il est venu. Il a tout payé à la croix. Donc on a pu à revenir dessus. C'est pardonné, t'es baptisé, t'as demandé pardon à Dieu pour tes erreurs, t'as demandé pardon à Dieu pour tout ce que tu as fait qui n'était pas en accord avec lui. Tu as reçu le baptême d'eau, c'est payé. Et ensuite le baptême de l'Esprit Saint, tu reçois l'Esprit de Dieu qui va guider notre vie. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus facile de ne pas s'égarer puisque Dieu, il connaît très bien le chemin qui est bon pour nous. S'il te dit d'aller à droite, tu vas à droite. S'il te dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. S'il te dit d'aller tout droit, tu vas tout droit. Mais si tu vas à droite alors qu'il t'a dit d'aller à gauche, tu vas te péter la gueule. Tu vas te faire mal, c'est pas grave, tu vas te relever. Hein, mais tu vas retourner à l'endroit où il t'a dit d'aller. Voilà. Sauf que si tu l'avais écouté avant, ça aurait évité que tu te fasses mal. Mais bon, ce qui est né d'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne vous étonnez pas qu'il ait dit ça. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née d'esprit. Vous savez, moi, depuis que j'ai été baptisée, il n'y a pas longtemps, c'était au mois de septembre, c'était 7 mois, ma vie, c'est plus du tout la même. Ma vie intérieure. C'est tout simplement merveilleux. Alors, je vous encourage à vous renseigner sur le baptême, en immersion totale et le baptême du Saint-Esprit. On trouve vraiment, maintenant, vous dirigez vers les églises de maison qui sont basées sur la Bible. Vous allez trouver facilement, demandez à Dieu de vous guider, parce que c'est votre berger. Et il vous guidera. La vérité vous affranchira. Je vous souhaite la paix sur vous et votre famille. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.